Excellence, le ministre du Commerce. Excellence, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, les membres de la communication industrielle. Mesdames et Messieurs, les acteurs économiques. Distingués invités. Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre du Commerce et du Budget, c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir cet après-midi au cœur du grand marché de la République de Guinée. Votre présence en ce lieu demeure de l'intérêt que vous portez aux activités économiques en général et tout particulièrement au secteur informel dont nous sommes les principaux animateurs. En effet, il nous plaît de rappeler que le marché de Nakoda, les acteurs formels et informels, nous évoluent dans ce lieu en bas de faire de l'ordre discuté dans le passé. D'où la nécessité de réanalyser efficacement le plan de sécurisation du marché afin qu'il puisse répondre à nos attentes de sécurité. C'est pourquoi nous voulons décider de notre présence pour vous exhorter de porter un regard dans ce particulier sur le marché de Nakoda, car il nous sera difficile pour établir l'impossible de s'appuyer à interpréter nos activités. Monsieur le ministre du Commerce et du Budget, vous avez simplement à constater. On peut faire les formalisations des activités économiques sur une réserve de l'administration de l'économie. Le manque d'information, de sensibilisation et surtout le manque de maintenance réciproque entre le gouvernement et l'économie. Et enfin, le manque de valeur entre les organisations qui sont l'interface entre l'État et les acteurs économiques, sans le commerce et la gouvernance. Sans ce cas de vie, c'est le ministre, les pas passer une docteur de première. Les parents de l'être de l'organisation de la tête de ce département. Monsieur le ministre, nous connaissons nous avons l'espoir qu'avec vous, nous aurons un centre agréé de formalisation des activités économiques dans le cœur du grand marché mondial. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous aurai pour mon préférence sans vous renouveler à tous. Messieurs, une bienvenue à la vie et un bon retour dans vos domiciles respectueux. Je vous remercie. Merci pour votre attention. De la commune de Matam, pour que nous sommes observés, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et au nom de l'ensemble des administrateurs de partir de la commune de Matam, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement du centre de gestion agréé dans notre commune. À la suite de ce lancement officiel à ce jour, 18 novembre 2021, et étant convaincu des avantages et des bénéfices liés au centre de gestion agréé, nous nous engageons aux côtés de la direction communale du commerce de Matam pour une meilleure sensibilisation des commerçants, des acteurs des petites et moyennes entreprises évoluant dans un commerce. Pour terminer, nous vous remercions, mesdames et messieurs les ministres, pour tout votre effort
que vous comptez faire pour l'émergence des commerçants et autres acteurs économiques vers le secteur formel à travers le plan de gestion agricole. Je vous remercie. Notre ministre Kimel, on vous dit tout à Mata. Monsieur le ministre du budget, on veut vous remercier si vous venez pour les opérateurs économiques, petits et moyens de la Guinée. Je pense bien au niveau de l'activité économique. Nous, les opérateurs économiques petits et moyens, on a aidé la première personne à aider la ministre. Les deux grands ministres au niveau du secteur économique. Votre métallique, Inch'Allah, on va essayer d'accepter ça, mais pas seulement avec les paroles, avec les réalités aussi. Quand le régime a été changé, et on a été éliminé aussi le petit et moins commerçant de Guinée, par le président de la République, le président de transition, on est parti, malgré ce qu'on pense est bon pour la Guinée. C'est pas ça aussi qu'on a été entendu. Ce que je veux dire, moi je n'ai pas préparé le discours, ce qu'on doit dire ici, ce qu'on entend de dire, on dit ce que ça trouve dans notre cœur. Ça, ce n'est pas un parole qui est préparé pour dire on va voir ce qu'ils aimeront entendre, on va dire ce qu'on pense, c'est bon pour l'être. Tout ce qui est bon pour l'être, c'est bon pour nous tous. Et quand on dit que Dieu est moins commerçant de Guinée, c'est nous qui sommes là. Des fois, quand on parle de Dieu est moins commerçant, on dit c'est moi qui est premier responsable de ça. Ça peut étonner beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, on a beaucoup en train d'évoluer pour faire des formes. On demande que ce soit un économique. Pour pas qu'on accepte d'aider à un formel éternellement. Ce n'est pas dans notre avantage. C'est quand on commence petit, dès que vous commencez à grandir, il faut essayer rapidement adhérer de formalisation. C'est dans la formalisation que tout le monde gagne, la Guinée gagne. Pourquoi? Si on veut que le gouvernement veuille accompagner les opérateurs économiques guinéens, si on n'est pas formalisé, c'est d'autres qui vont venir occuper là où nous on devait occuper. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les banques nationales, les banques internationales, tous les gens qui veulent aider, il y a moins de aider celui qui n'est pas formalisé. Quand on accepte ces formalités, c'est la Guinée qui gagne. Pourquoi je veux dire ça? Regardez, il y a des pays qui ont dit les mêmes années d'indépendance de la Guinée, aujourd'hui, ils ont devenu le leader mondial dans les activités économiques. Pourquoi les opérateurs économiques locaux là-bas, ils ont accepté dès qu'ils commencent à grandir, on a du carrément dans le fort, qui crée des musées, qui crée des grandes activités internationales. C'est ça qui a fait aujourd'hui qu'ils ont devenu grands dans le monde. Moi, je vais vous dire un exemple. Le secteur informel, on a créé ici ensemble. Mais quand c'est accepté et c'est formalisé, aujourd'hui, ceci est parmi les sacs qu'on dit aujourd'hui des grandes opérations économiques au niveau national. Pourquoi quand on dit les banques qui financent, vous savez, c'est une qui n'est pas formalisée. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui les banques qui sont en train de financer, donc
sur le corps, ce n'est pas du financement même terrain, c'est le plus grand banque du monde, les banques mondiales, et les milliards qu'on appelle AFC. Ils sont en train de nous financer, les banques locales en train de marcher pour les roues, ils veulent nous donner l'argent. Et ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde. C'est de l'organisation. Il y a de marché, il y a l'argent, mais la nation n'est pas organisée. On va rester ici pour dire que le gouvernement n'a pas en train de nous accompagner. Alors le gouvernement il veut nous accompagner, mais c'est quand on accepte de se formaliser, c'est dans ça qu'il veut nous accompagner. C'est bien demander les autres de l'économie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats ici qui sont comme moi, qui viennent, même si vous avez que moi, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont prêts à aller dans les formes. Moi, je vous retrouve, je vous encourage. Acceptez-nous de venir dans les formes. Dans les formes, il y a des problèmes. Et c'est dans ça qu'on fait accompagnement et l'État et les institutions internationales pour les milieux financiers qui financent des années et qui n'est pas organisé. Vraiment, on veut dire le nouveau gouvernement qui est là, qui sont acceptés, c'est le plus bien, ça veut dire que 12 ans, il n'y a pas eu un ministre qui est rentré dans le même tout à l'heure aujourd'hui. Ça, on voit ramener le retour, les mêmes années qu'ils ont fait avec nous là, on va les faire comprendre, Inch'Allah, on va les accompagner jusqu'à un moment pour continuer avec les contrats. Je vous remercie. Le missionnaire, quand nous parlons de nous, qui est-ce que nous sommes en train de nous faire la vie, nous sommes en train de nous faire la vie. Salam alaikum. Mandé, on va faire de sensibilisation à l'anima. Au sein d'une gestion agréée, requiert une attention particulière de toutes les autorités. C'est le moment que va créer un appel présent à l'endroit de tous les commerçants
en toute disposition, à l'emploi d'information en toute disposition, la ville pour quitter le statut certain pour l'enseignant, compte tenu des avantages liés à cette démarche. C'est pourquoi, par ma modeste voix, je rassure chacun de tous de la chambre volontaire du conseil communal de Matane à soutenir les conditions de l'initiative du conseil national de la santé et le gouvernement. Et le gouvernement du Sénégalais du maintien de l'égalité des citoyens en faveur de l'amélioration de la condition de travail. Enfin, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers pour voir le simple accompagnement du gouvernement dans l'exécution des différents programmes de projets de développement de notre pays. Si le développement durable de la Guinée, le programme de l'honneur dans la ville de Mbéa, je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, représentant de l'Union européenne de la République de Guinée, mesdames et messieurs de la commune de Matam, monsieur le président de l'association des petits entrepreneurs, mesdames et messieurs les hauts cadres du ministère du Budget et du Commerce, mesdames et messieurs les commerçants et commerçantes de Madina, nous sommes très heureux aujourd'hui de venir auprès de vous procéder au lancement de la campagne de sensibilisation pour l'enregistrement au sein des centres de gestion agréés. Les partenaires techniques et financiers nous ont accompagnés pour que le secteur informel constitue plus de 94% du tissu commercial africain soit formalisé. Pour ce faire, nous avons décidé, sous l'instruction de mon collègue Mamadi Doumbia, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de M. Mohamed Perdo, du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes venus vous sensibiliser aujourd'hui pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi l'avenir de nos enfants? Parce que la formalisation que vous allez entamer à partir d'aujourd'hui, c'est pour créer un fonds de commerce que vous pouvez léguer à vos enfants et aux générations futures. C'est en fait ce qui anime mon colonel Mamadi Doumbia et son gouvernement, l'avenir de nos enfants. Vous ne pouvez pas aujourd'hui préparer cet avenir des enfants si vous ne quittez pas le secteur informel ou le secteur formel. C'est un avantage pour vous d'abord, avant d'être un avantage pour le pays. Parce que si vous léguez un fonds de commerce à vos enfants, ça les sécurise, ça évite des problèmes. De même pour le partage d'héritage. Vous enregistrez au niveau des centres de gestion agréés beaucoup d'avantages. Ça vous permet d'accéder au crédit, ça vous permet d'avoir un statut et ça vous permet d'appartenir à une corporation. Vous avez entendu tout à l'heure dans ce repos. Ce n'est pas étonnant qu'il soit encore en tête de votre association. Même si aujourd'hui il est formalisé, il y a tant de grands commerçants qui ont commencé comme vous, mais qui sont aujourd'hui parmi les 100 meilleurs commerçants de ce pays. À cet égard, le ministre du Commerce et moi, au nom du président, mon collègue Mamadi Doumbia et de son gouvernement, nous vous invitons à vous enregistrer, à vous formaliser pour le bien de vos enfants, pour le bien du pays, pour le bien de toute l'Afrique. Nous déclarons aujourd'hui formellement lancer les activités de sensibilisation des centres de gestion agréés au sein de ce grand marché du pays, le marché de Marina. Nous vous remercions. Merci. Madame, je suis très satisfait de la mobilisation. Je remercie tous les organisateurs. Je remercie tout le parti.
cabinet technique. Et à ce moment, je voulais transmettre les mots, le message du président de la commission. Nous avons touché, et nous avons sur le terrain touché la réalité que vivent nos concitoyens. Nous demandons, nous lançons un appel à tous les commerçants qui sont dans l'informel de venir s'enregistrer massivement pour passer dans le formel. Quand un commerçant passe au formel, il y a deux avantages. Non seulement l'avantage de bénéficier d'un accompagnement de l'État par l'accompagnement au niveau des taxes et des impôts, mais également une restitution afin que tous ces petits commerçants aient droit de financement. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas dans le formel, il est difficile pour un commerçant d'être accompagné pour des financements. Et lorsqu'on veut grandir, puisque notre gouvernement vient pour aider la population, aider les commerçants à grandir, donc sur ce sens-là, on passe au niveau du formel. Il y a tous les outils dans toutes les directions, dans tous les ministères pour accompagner. Particulièrement, moi, dans mon ministère du commerce, qui est la porte d'entrée de toutes les commerçants, nous avons des lignes sur des formations, sur le renforcement des capacités des commerçants. On peut les aider également à monter leur business plan, à les accompagner afin de prendre. Mais si vous n'êtes pas enregistré de façon formelle, vous ne pouvez pas vous organiser et il est difficile pour l'État de vous accompagner. Donc nous lançons un appel à toutes les commerçants, à tout le monde qui sont dans le domaine de l'industrie, des marques de paille et de l'économie, à se formaliser. Le gouvernement, c'est un gouvernement, le gouvernement du Premier ministre, Mohamed Yabouni, est un gouvernement d'action. Désormais, vous allez me voir ici à Madinan, je veux toucher les réalités au bout du bois que vivent les commerçants. J'ai écouté la prévoyie des commerçants sur les tracasseries, sur la douane. Donc tout ça, quand vous êtes dans le formel, on peut discuter, réorganiser et voir comment on peut mettre le secteur. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Nous exprimons notre foi et nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement pour qu'on puisse aider les commerçants et que les commerçants puissent aider nos braves femmes qui sont là sur ce pourquoi cette campagne de sensibilisation? Oui, en fait, c'est dans la politique du gouvernement d'essayer de structurer le secteur privé et en général, en particulier, le secteur informel. Ce pays a plus de 95% des contributeurs que le secteur privé, des contributeurs que le secteur informel. Donc, c'est ce programme que le gouvernement a bien voulu lancer et nous avons commencé aujourd'hui par le grand marché de Madina et qui va s'étendre sur tous les grands marchés de Conakry pendant les 40 jours à venir. C'est pour aider les gens à être formalisés, à exister légalement et bénéficier vraiment de toutes les chances de croissance et des avantages aussi en matière d'impôts. Au fait, au finish, qu'est-ce que cela fait changer au sein du gouvernement en matière de budget? Bon, c'est vrai, en matière de recouvrement, le gouvernement est beaucoup plus soucieux pour le bien-être des entreprises. C'est dans ce sens que quand vous adhérez, on tient votre comptabilité, les plans de trésorerie, on vous donne l'accès au financement, l'accès au crédit dans les banques pour que vous puissiez prospérer. En termes fiscaux, quand vous arrivez déjà, pendant 3 ans vous ne payez pas de patente. Sur le BIC, vous avez 50% de réduction, vous ne payez pas l'IMF. Donc c'est des avantages que le gouvernement a accepté de consentir juste pour aider les entreprises à grandir, à se formaliser. Merci M. Gallo. Je vous en prie.